Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto en partenariat avec le site internet Panda Haul qui m'avait envoyé pas mal de choses pour faire des petits bijoux et dont on a fait ce petit bracelet ensemble. Donc je vais vous apprendre à faire un emballage plutôt original. Vous allez avoir besoin d'un petit pot en verre. Donc moi j'ai pris ces petits pots qui étaient donc chez Action. Je me souviens plus du prix. Il y en a 4 en fait dans l'emballage. Je crois qu'ils étaient à moins de 1 euro hein, de mémoire. Vous m'en voudrez pas si jamais je me trompe. Et en tout cas, du coup, vous allez avoir besoin de ce petit pot. Vous allez avoir besoin de votre bracelet. Moi, j'ai pris 2-3 petits coquillages que j'ai trouvé également chez Action. J'ai pris du papier craft épais. Je vais venir faire un petit dies avec ce petit dies étiquette. Et nous allons avoir besoin également du cachet de cire de chez Panda Haul. Je pense que c'est à peu près tout. Un petit coup de tampon, de l'encre et vous allez voir tout de suite. On va déjà commencer par faire avec la ficelle et le cachet de cire. Je vous laisse tout de suite en compagnie de la vidéo. Et voilà, vous avez dû remarquer que j'ai fait donc la petite ficelle avec le cachet de cire qu'on est venu emprisonner à l'intérieur de la ficelle. La ficelle est à l'intérieur de notre cachet de cire, c'est mieux dans ce sens-là. Donc le petit cachet de cire, on le voit bien. Et j'ai fait donc une petite étiquette où j'ai écrit « Bonnes vacances » puisque c'est le cadeau pour la fin d'année de la maîtresse de Baptiste qui a écrit son nom sur la petite étiquette. Voilà. On va donc ensuite remplir notre petit pot avec les coquillages. Voilà. J'ai également récupéré donc mon encre Memento et puis mon petit cachet de cire avec écrit Create. Donc on va venir faire un petit coup de tamponnage sur le dice que je suis venue du coup faire. Ce sont des formes d'étiquettes. On va pas avoir besoin de la totalité du dice, donc du coup on va juste couper le bout et ce bout là parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir en fait les deux petits trous. Je vais venir faire mon petit tamponnage. Voilà. Et je vais venir enfiler mon petit bracelet. Et voilà, et votre emballage il est terminé. On vient insérer du coup notre bracelet à l'intérieur. Voilà, on vient refermer. Et voilà, votre emballage est terminé et moi je trouve que ça fait super sympa. Alors dites-moi ce que vous en aurez pensé. Franchement, c'est hyper simple. Je trouve que c'est une nouvelle solution pour utiliser les cachets de cire qui est plutôt sympa. Alors, après, vous pouvez ajuster la ficelle, elle est peut-être un petit peu grande. Mais voilà, je trouve que l'emballage est plutôt original. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos petits pouces en l'air comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur Instagram. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.